I would like to introduce. Salut, je suis aujourd'hui au cœur du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, au cœur du Massif central. Ce massif montagneux est très vieux, il a environ 500 millions d'années. Il est très connu pour ses nombreux volcans, notamment la chaîne des Puits. Tous ces volcans sont aujourd'hui heureusement éteints, mais les reliefs qu'ils forment sont sources d'une grande diversité floristique. Cette diversité est en réalité due à trois facteurs, des reliefs, des sols et des climats variés. Nous allons voir dans un premier temps comment s'est formé ce fameux massif, ce qui expliquera les reliefs et les sols variés qu'on y trouve. C'est parti! Le Massif central est le plus grand massif de France. Il fait 85 000 m² environ. C'est un grand plateau d'altitude moyenne avec des reliefs doux où l'on trouve plusieurs traces d'une activité tectonique mouvementée, comme des failles et des gorges qui ont entraîné la formation de volcans de différentes sortes. Le plateau s'est formé il y a environ 500 millions d'années, au Paléozoïque, en conséquence de la collision de plusieurs grands continents, notamment venant du sud. La formation des Alpes a par la suite surélevé le côté est et la formation des Pyrénées a surélevé le côté sud. Les terres surélevées correspondent globalement aux Cévennes et les terres plus basses au Limousin. Tous ces mouvements tectoniques ont entraîné une grande activité volcanique. Les volcans sont les derniers à arriver dans le massif. La chaîne des Puits, par exemple, n'a que quelques milliers d'années. On peut donc observer différents types de roches dans ce massif. Le plateau est fait de roches granitiques et métamorphiques. Autour des volcans, on retrouve du basalte, c'est-à-dire de la lave refroidie, ainsi que d'autres roches volcaniques. On observe enfin de grands plateaux calcaires au sud, les causses, dont les roches formées au Paléozoïque et au Jurassique ont été mises au jour grâce à l'érosion. Nous avons donc vu comment le massif central s'est formé, ce qui explique les sols et les reliefs variés qu'on peut y trouver. Reste maintenant à expliquer ce climat si particulier à la région. En réalité, le Massif central se trouve au carrefour de trois grandes zones climatiques. On retrouve un climat océanique à l'ouest, un climat continental à l'est et un climat méditerranéen au sud. Un autre facteur important qui joue sur la végétation est l'altitude. En effet, le climat varie beaucoup selon cette dernière. Ainsi, à partir de 800 mètres, on parle d'étage montagnard. La température baisse de plusieurs degrés par rapport à la plaine. C'est parti, on va explorer cette différente végétation ensemble. Le parc naturel régional des volcans d'Auvergne a un climat globalement montagnard à tendance océanique, mais les températures et précipitations sont surtout influencées par l'altitude. On peut ainsi observer différents étages de végétation. Tout d'abord, l'étage collinéen, situé à moins de 800 mètres, est dominé par les chênes. On trouve ensuite l'étage montagnard, situé entre 800 et 1450 mètres d'altitude. Il est dominé par les hêtres. Les zones humides, quant à elles, sont situées dans les cratères volcaniques, les mars, ou les cuvettes creusées par les glaciers quaternaires. Ce sont des milieux avec une très grande diversité d'espèces. L'étage subalpin est situé à plus de 1450 mètres. Il est dominé par les hautes herbes et a une flore particulièrement fragile. Les milieux rocheux contiennent des espèces très particulières. Ils sont surtout situés dans les massifs du Mont d'Or et du Cantal. Les plantes qu'on y trouve ont développé des adaptations pour survivre dans ce milieu sec et peu nutritif. Enfin, la lande est une zone de transition entre pelouse et forêt. Elle est dominée par des végétaux ligneux bas. Donc là, je suis au bord d'une rivière. Je vais vous montrer un petit peu les espèces adaptées à ce milieu très humide qu'on peut trouver. Alors on commence avec cette espèce de plante aquatique vivace. C'est une renoncule à pinceaux, Ranunculus penicillatus, donc de la famille des renonculacées. On peut la voir ondulée dans les eaux vives, comme ici dans cette rivière, sachant qu'un individu peut mesurer jusqu'à 5 mètres de long en moyenne. Les feuilles sont découpées en lanières ou pinceaux de 8 à 25 cm, d'où son nom. La tige est robuste et creuse, permet un peu de flotter. Les feuilles ont 5 pétales blancs qui mesurent environ 1 cm chacun. Les fleurs sont portées par un pédoncule de 5 cm de long environ et le réceptacle évolue.
La floraison a lieu en printemps-été et là on voit que je suis arrivée un peu trop tard pour pouvoir observer les fleurs. Et sa présence dans le massif est assez rare, donc c'est signe d'un milieu peu pollué de cette rivière, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors là j'ai trouvé un polypode commun, Polypodium vulgare. C'est donc une fougère de la famille des Polypodiacées. Il est parfois appelé réglisse des bois ou réglisse sauvage parce que son rhizome a un goût un peu de bonbon. Donc le polypode commun, c'est une fougère vivace de 10 à 50 cm de hauteur. Les frondes prennent naissance de façon isolée le long d'un rhizome rampant de 30 cm de long. Chaque fronde a une forme oblongue ou lancéolée. Elles sont profondément divisées et pennées. On peut observer 10 à 25 paires de segments lancéolés entiers ou peu dentés, alternes et confluents à la base, et un segment terminal bien marqué. Elle se retrouve souvent sur les rochers, donc c'est ce qu'on appelle une espèce saxicole, ou à la base des troncs et dans les endroits ombragés. On peut observer que les sores sont ronds et situés en dessous des frondes, donc ils sont formés de sporanges serrés les uns contre les autres, et qui ne sont pas protégés par une membrane qu'on appelle l'indusie. On observe qu'ils forment une rangée de part et d'autre de la nervure médiane, et ils sont plus fréquents sur les segments supérieurs. La sporulation a lieu de mars à septembre. C'est une espèce de fougère très commune en France. Donc là, je suis dans la hêtraie. On voit donc une majorité d'herbes et puis une belle litière de forêt. Je vais vous montrer quelques petites fleurs qu'on peut trouver au sol. Tout d'abord, sur cet arbre, on peut observer un champignon assez reconnaissable, c'est la madouvier, Fomes formentarius, qui appartient à la famille des Polyporacées. Il mesure de 10 à 50 cm de diamètre et de 8 à 20 cm d'épaisseur. Sa console est en forme de sabot, bossu au sommet et formé de sillons concentriques bosselés, s'amincissant avec l'âge. C'est un champignon vivace, donc qui poursuit sa vie sur plusieurs années. On peut le voir toute l'année, avec une pousse franche au début du printemps. Sa sporulation a lieu en avril-mai, et on peut d'ailleurs observer des dépôts blanchâtres tout autour des individus. La madou a longtemps été employée dans la fabrication de mèches à briquet et dans l'allumage du feu, car il est très inflammable. Ici, j'ai filmé un sorbier des oiseleurs, ou sorbier des oiseaux, Sorbus ocuparia. C'est un petit arbre qui atteint 15 mètres de haut maximum. Il vit principalement en lisière de forêt. Ses feuilles sont composées de 17 à 15 folioles lancéolées, doublement dentées et reliées aux pétioles. Les branches sont lisses, grisâtres. Les feuilles sont pennées. Elles ont 5 ou 7 paires de folioles finement dentée, verte des deux côtés, légèrement duveteuse du côté envers. Les fleurs sont blanches, elles ont 5 pétales et sont groupées en corymbes. Elles ont une odeur forte. Les fruits, qu'on appelle sorbes, sont des baies rouges orangées, très appréciées par les oiseaux, notamment les grives, donc c'est là que l'arbre tire son nom. Il a été planté souvent pour attirer les oiseaux. La floraison a lieu de mai à juin et les fruits sont matures à la fin de l'été. Voilà l'une des espèces les plus présentes dans cet endroit, le hêtre commun, Fagus sylvatica. Il appartient à la famille des Fagacées, donc c'est l'une des principales essences qu'on trouve dans les forêts tempérées caducifolies en Europe. Donc le hêtre commun est un grand arbre, il peut s'élever jusqu'à 30 ou 35 mètres de hauteur, et la circonférence de son tronc peut atteindre jusqu'à 2,5 mètres chez des hêtres très vieux. L'écorce est mince et lisse. Elle persiste tout au long de la vie de l'arbre, elle a une couleur gris argenté à gris vert. On trouve souvent une fine couche de lichen à sa surface. Les feuilles sont alternes, entières et simples, de forme ovale à obovale, longues de 6 à 10 cm et larges de 4 à 7 cm. Elles sont brillantes et légèrement coriaces. Leur base est cunéiforme et l'extrémité pointue. La marge des feuilles forme des petites dents arrondies. Le pétiole est long d'environ 1 cm et un peu poilu. Les fleurs mâles et femelles n'ont pas de pétales, mais uniquement des sépales fusionnés qui forment des sortes d'écailles de 4 à 6 lobes. Les fruits du hêtre sont appelés les faines, donc ce sont des akènes.
dont la paroi est dure et ne s'ouvre pas pour libérer les graines. Et nous voilà avec la star de la région, la grande gentiane ou gentiane jaune, Gentiana lutea, qui appartient à la famille des gentianacées. Elle mesure de 80 cm à 1,50 m. Donc c'est une grande herbe robuste et vivace. Elle peut vivre jusqu'à 50 ans et met 10 ans pour faire ses premières fleurs. Les feuilles sont ovales, assez grandes, opposées et nervurées. Elles sont pétiolées à la base de l'individu et sessiles embrassantes sur la tige. Les grandes fleurs jaunes sont serrées à la base des feuilles supérieures. Les fleurs sont étagées et vont de 2-3 cm à 5 à 9 cm. La corolle est divisée en 5 à 9 lobes, presque jusqu'à la base. Les inflorescences sont de type glomérule et la floraison a lieu de juin à août. Les fruits sont des capsules qui sont disséminées grâce au vent. On voit ici que je suis arrivée à la fin de la floraison. Les racines sont utilisées pour fabriquer plusieurs boissons alcoolisées, c'est pour ça qu'elle est si connue. Elles sont récoltées traditionnellement grâce à un outil appelé fourche du diable dans le Massif central. On la retrouve généralement dans des prairies montagnardes subalpines acides. Parmi toutes les fleurs de cette pelouse, on trouve notamment la jasione des montagnes, jasione montana, qui appartient à la famille des campanulacées. C'est une herbacée de 10 à 30 cm de haut. Elle a des feuilles allongées, oblongues à lancéolées, à marge épaissie et ondulée. Les inflorescences globuleuses font environ 2 cm de diamètre. La corolle est bleue et les bractées sont entières, crénelées et dentées. L'inflorescence est de type capitule simple et le fruit est une capsule. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Évidemment, j'ai pas pu montrer toute la diversité de fleurs, de plantes, d'arbres qu'on trouve en Auvergne, mais peut-être que je ferai une partie 2 plus tard. En attendant, je vous donne rendez-vous à bientôt pour un nouveau voyage botanique. Salut !